Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la véritable onction. La véritable onction. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce qu'on entend souvent, partout, onction. On entend parler de l'onction partout.
Ancien ici, ancien là-bas. Mais quelle est la véritable ancien? C'est qui l'ancien? Ou c'est quoi l'ancien? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. On n'a pas besoin d'entendre l'ancien de ceci, l'ancien de mariage, l'ancien du voyage, l'ancien de la prospérité, l'ancien de l'élévation. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons connaître quelle est la vraie ancien et qui est l'ancien, ou c'est quoi l'ancien. Donc le Père est la véritable ancien. Gloire à Jésus. La véritable ancien. Et qui donne l'ancien? L'ancien vient de qui? Gloire à Jésus. Est-ce que l'ancien vient des hommes? Est-ce que l'ancien vient du pasteur? Est-ce que l'ancien vient de l'apôtre? Est-ce que l'ancien vient du prophète? Parce que la tendance à entendre l'ancien du prophète. Viens prendre l'ancien du prophète. Viens le prophète qui prend de l'ancien. Mais qui donne l'ancien? Qui est l'ancien? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un homme est capable de donner l'ancien? 2 Corinthiens 20, verset 22. 2 Corinthiens 20, verset 22. Le thème, la véritable onction. 2 Corinthiens 20, au verset 22. 2 Corinthiens. Oui, oui. Revois 1 Corinthiens, je n'ai pas la référence. 1 Corinthiens, c'est 16. Ok, avant de lire, la véritable onction, c'est ça? Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 16, verset 22. Ça aussi. Allons-y. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Amen. Mais vous, recevez une puissance. Vous recevrez une puissance. Or, nous savons que la puissance est égale à l'onction. Amen. Amen. Qui dit onction? Dit puissance. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous recevez une puissance. On s'arrête là d'abord. Donc, le thème, c'est la véritable onction. Donc, l'onction est égale aussi à la puissance. Gloire à Jésus. Donc, vous recevez une puissance. Donc, on a besoin de savoir qui donne la puissance. Est-ce qu'un homme est capable de donner la puissance de l'onction? Ou l'onction vient de qui? Où l'ancien c'est qui? Allons-y, homme de Dieu. On continue le passage. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Le Saint-Esprit suivra sur vous. On s'arrête là. On dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Donc, on comprend par là que la puissance c'est le Saint-Esprit. Donc, l'ancien en réalité, l'ancien c'est le Saint-Esprit. Amen. L'ancien ne fait pas d'un homme. L'ancien n'est pas un homme. Mais l'ancien, c'est le Saint-Esprit lui-même. Gloire à Jésus. Parce qui dit l'ancien dit la puissance. Maintenant, la question que nous allons poser, est-ce que cette bouteille que j'ai entre les mains, il y a de l'huile à l'intérieur? Est-ce que l'huile qui est à l'intérieur de cette bouteille, est-ce que c'est cette huile qui est l'ancien? C'est une question qui a été posée. Parce qu'on a tendance à voir dans plusieurs communautés l'huile d'onction. Huile d'onction. Est-ce que l'onction se trouve dans cette bouteille? Est-ce que l'onction se trouve dans cette bouteille? Parce que on entend l'huile d'onction. Donc, ce qui veut dire que c'est lui-là qui donne l'onction. Alléluia. Est-ce que l'onction se trouve dans la bouteille? Est-ce que l'onction se trouve dans cette bouteille? Oui, homme de Dieu.
Pour ma part, selon ce que vous venez de dire concernant les Écritures, dans Actes 1:8, qui parle de la puissance du Saint-Esprit qui va descendre, donc la puissance est égale à l'onction, est égale au Saint-Esprit. Donc l'onction ne peut pas être dans lui. Et lui ne peut pas être l'onction. Amen. Alors je reprends le passage Actes 1, verset 8, on va comprendre quelque chose. Acte 1, verset 8. Lisez la parole du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On dit vous recevrez une puissance. Or nous savons que la puissance est égale à l'onction. Prends Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Donc l'onction est égale à la puissance. Et on dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Donc le Saint-Esprit est égal à la puissance. Or la puissance est l'onction. Donc l'onction est égale au Saint-Esprit. Amen. Psaume 23, verset 5. Amen. Si tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Lui a été pour représenter toi. Dieu, dans l'ancienne alliance, il prenait les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Gloire à Jésus. En réalité, l'huile représente le Saint-Esprit lui-même. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc lorsqu'il dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde, est-ce que il s'agit de cette huile? Est-ce qu'il s'agit de la bouteille d'huile d'olive? Non. Donc le Saint-Esprit faisait référence à son esprit lui-même. Parce que l'huile représente le Saint-Esprit. Qui dit l'huile parle du Saint-Esprit. Donc la véritable onction, c'est ne se trouve pas dans cette bouteille. La véritable onction, ce n'est pas l'huile qu'on voit à la boutique. Mais la véritable onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et souvent, on entend, dans certaines communautés, l'onction de mariage, l'onction de la prospérité, l'onction du voyage. Mais on veut savoir que l'onction, c'est Dieu lui-même. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y a onction de mariage? Est-ce qu'il y a onction de mariage? Seulement. On va prendre Jean 3, verset 12. Jean. Jean 3, verset 12. Donc, le Saint-Esprit, en réalité, l'onction en réalité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, l'onction ne se trouve pas dans cette bouteille. Parce que tu dis cette bouteille, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit se trouve dans cette bouteille. Jean 3, 12. Amen. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses de la terre, parce que Dieu, il prend les choses de la terre pour expliquer sa pensée. Donc lorsqu'il parle de l'huile, il ne parle pas de l'huile qui se vend à la boutique. L'huile parle du Saint-Esprit. L'huile parle du Saint-Esprit. Donc l'huile qu'on voit dans la boutique, là, c'est pas ça qui est le Saint-Esprit. Et l'onction n'est pas l'huile. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc tout ce qu'on parle d'huile d'onction, c'est une erreur. Parce que l'onction ne se trouve pas dans cette bouteille. Alléluia. L'onction ne se trouve pas dans cette bouteille. Parce que Jésus-Christ lui-même que nous suivons, lui qui est l'effet parfait, il n'a jamais oué de la bouteille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'onction. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui-même qui est l'onction. Donc parce qu'il est l'onction, il n'a pas utilisé l'huile d'olive pour oindre les apôtres. Jamais. Parce que l'onction elle-même est là. L'onction, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc l'onction ne se trouve pas dans une bouteille. L'onction ne se vend pas.
Parce que l'onction, c'est Jésus-Christ. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, toutes les fois que tu entends une onction, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'une onction. C'est l'huile d'olive. Ce n'est pas l'huile d'onction. Parce que l'onction ne se trouve pas dans cette bouteille. Alléluia. Donc, si l'onction se trouve dans cette bouteille, c'est que Dieu également se trouve dans cette bouteille. Donc, si cette bouteille est cassée, c'est que Dieu aussi est cassé. Si cette bouteille a été volée, c'est que Dieu aussi a été volé. Parce que Dieu ne se trouve pas dans cette bouteille. Alléluia. Donc, il faut comprendre quelque chose. L'onction qu'on entend tous les jours, l'onction par-ci, l'onction par-là, l'onction c'est un homme. Alléluia. L'onction c'est un homme et c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui-même qui est l'onction. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui est l'onction. Donc l'onction ne se trouve pas dans une bouteille. Amen. L'onction ne se trouve pas dans une bouteille. Jacques 5, 14 à 15. Jacques, verset 5, 14 à 15. Jacques 5, verset 14 à 15. Jacques 5, verset 14 à 15. Maintenant, l'utilisation de cette huile n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut pousser son serviteur à utiliser cette huile pour opérer sous le prophétique. Ça dépend de l'esprit du Saint-Esprit lui-même. Parce que cette huile s'utilise sous inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut pousser son serviteur à lui dire, apprends cette huile et fais telle chose. Alléluia. Amen. On va voir dans Jacques 5, 14 à 15. Jacques 5, verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui. Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loyant d'huile. En loyant d'huile. En loyant d'huile. Mais qu'est-ce qui va guérir le malade? Est-ce que c'est l'huile qui va guérir le malade? Si l'huile était l'onction, l'huile allait guérir le malade. Mais vu que l'huile n'est pas l'onction, l'huile ne peut pas guérir. On continue. En loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Voilà, donc c'est la prière qui va sauver le malade. Ce n'est pas l'huile qui va sauver. Amen. Amen. C'est le Seigneur le rêve. On s'arrête là, Dieu, merci. Donc, ce n'est pas cette bouteille d'huile qui va sauver. Mais c'est la prière qui vient après l'action. Et c'est la prière du juste qui va guérir le malade. Alléluia. Donc, l'utilisation de cette huile n'est pas un péché. Mais cette huile s'utilise sous inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspire son serviteur en lui disant, prends cette huile et fais telle chose avec. Amen. Donc cette huile est utilisée sous inspiration du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Mais cette huile n'est pas le Saint-Esprit. Cette huile n'est pas l'onction. Parce que l'onction, c'est Jésus. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. 1 Jean 2, verset 26 à 27. Donc, l'onction, c'est Jésus lui-même. Allons-y. 1 Jean 2, verset 26 à 27. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous mettent à la perdition. Pour vous. Pour vous. L'onction que vous avez reçue de. Allons doucement. L'onction que vous avez reçue. De lui. Oui. Demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. On dit l'onction demeure en vous. Mais on va voir qui demeure en nous en réalité. Prends Jean 14, 17 à 20. Et Jean 14, 17 à 20. Et tu gardes le même verset, tu vas revenir dessus. Jean 14, 17 à 20. Quelqu'un garde toujours le même livre de 1 Jean 2, verset 6 à 27. Jean 14, 17 à 20. Quelqu'un garde ce passage, on va revenir dessus. Jean 14, 17 à 20.
L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne voit point l'esprit de vérité. Et ne le connaît point. Le monde ne connaît pas l'esprit de vérité. Mais vous. Mais toi. Vous le connaissez. Tu connais l'esprit de vérité. Car il demeure avec vous. L'esprit de vérité demeure avec nous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Oh, selon 1 Jean 2, verset 26. On dit l'onction est en nous. Et ici, on dit l'esprit de vérité demeure en nous. Donc, on comprend par là que l'esprit de vérité, c'est l'onction. Amen. L'esprit de vérité que le Seigneur dit, c'est lui qui est l'onction. Reprends 1 Jean 2, verset 26. 1 Jean 2, verset 26 à 27. Oui. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui. L'onction que vous avez reçue de lui. Demeure en vous. L'onction demeure en nous. 1 Jean 14, 17 à 20. Jean 14, 17, 20. Donc l'onction demeure en nous. Donc l'onction demeure en toi. L'onction demeure en moi. Donc, vu que l'onction demeure en nous, l'onction ne se trouve pas dans cette bouteille. Si l'onction se trouvait dans cette bouteille, l'onction n'allait pas demeurer en nous. Alléluia. Amen. Si l'onction se trouvait dans une bouteille, appelée huile d'onction, l'onction n'allait pas demeurer en nous. Mais selon 1 Jean 2, verset 27 à 27, on dit l'onction demeure en nous. Et l'onction, c'est qui? Selon Jean 14, verset 17 à 20. Selon Jean 14, verset 17 à 20. Demi. Ah oui, allons-y, homme de Dieu. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît. Et ne le connaît point. Le monde ne connaît pas l'esprit de vérité. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Donc c'est l'esprit de vérité qui sera en nous. Donc l'esprit de vérité est égal à l'onction. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'esprit de vérité est égal à l'onction. Or l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc si l'onction est égale à Dieu, est-ce qu'il y a onction de mariage? Il y a Dieu de mariage. Est-ce qu'il y a onction de mariage? Parce que s'il y a onction de mariage, c'est qu'il y a Dieu de mariage. Amen. Amen. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, il est mort à la croix pour que tu te maries? Il n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Il n'y a pas d'onction de mariage. Alléluia. Donc toutes les fois que tu entends onction de mariage, alors dis-toi que c'est une doctrine de démon. Gloire à Jésus. Amen. Toutes les fois que tu vas entendre onction de mariage, dis-toi que c'est une doctrine de démon. Toutes les fois que tu vas entendre onction des affaires, onction du travail, onction de voyage, onction de la bénédiction, onction de la prospérité, onction de l'élévation, ce sont des doctrines de démons. Ça ne vient pas de la seule doctrine. Parce que l'onction, c'est un homme. L'onction, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Et l'onction ne vient pas d'un homme. Un homme ne peut pas te transmettre l'onction. Un homme qui dit qu'il te transmet l'onction, c'est un sorcier. Parce que l'onction, c'est Dieu. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu donne son esprit à qui il veut. Il peut donner son esprit par le canal de son serviteur. Parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit par imposition de main. Alléluia. Mais un homme ne peut pas transmettre le Saint-Esprit, c'est impossible. Un homme ne peut pas te donner l'Esprit de Dieu, ne peut pas te donner l'onction, c'est impossible. Parce que l'onction, c'est Dieu lui-même. L'onction vient de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc la véritable onction, selon Actes 2,
verset 17 à 19. Acte 2, 17 à 19. Nous allons voir la véritable onction. Acte 2, 17 à 19. Il est la parole du Seigneur. Oui. Dans les derniers jours. Avant ça, parle d'acte. Prends acte 2. Le Seigneur, juste n'importe quoi. D'abord, on va revenir ça. Acte 2. Verset 1. Verset 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Voici la véritable onction. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit de toute la maison. Il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues. Semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparer les unes des autres. Et se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont tous reçu l'onction ce jour-là. Alléluia. Le jour de l'apôtre, les apôtres ont tous reçu l'onction. Mais l'onction qu'ils ont reçu vient de qui? Vient du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et avant de comprendre quelque chose, tu gardes Acte 2, verset 17 à 19. On va prendre l'exemple de Jésus. Avant que Jésus ne soit baptisé, est-ce que Jésus opérait des miracles? C'est une question que je pose. Avant que Jésus ne soit baptisé, est-ce qu'il opérait des miracles? Oui. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Avant son baptême, Jésus n'opérait pas de miracles. Jésus ne faisait pas de miracles. Je voudrais profiter aussi de ce temps pour vous ramener un peu sur le verset 17. Oui. Il y a quelque chose qui m'amène à confirmer qu'effectivement ce que vous dites est vrai. Amen. Que l'onction, c'est Jésus. Reprenons le verset 17 de Jésus. Jean 17. Il y a quelque chose que je veux. Jean 14, verset 17, s'il vous plaît. Jean 14, verset 17. Oui. Il est la parole du Seigneur. Oui. L'esprit de vérité. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Au moment où il parlait, Jésus était avec eux. Amen. Et il reviendra sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la question que j'ai posée, c'est de savoir, avant que Jésus ne soit baptisé, est-ce qu'il a opéré des miracles? Il a dit non. Lui, c'est vous qui avez répondu, une autre question. Ah d'accord, merci. Avant que Jésus ne soit baptisé, shalom de Dieu. Je suis le bien-aimé frère Jean du sang de Jésus. Amen. Avant que Jésus soit baptisé, il n'a pas opéré des miracles. Pourquoi? Parce que il fallait que le Saint-Esprit le conduise d'abord dans le désert pour être tenté et puisse se préparer afin d'accomplir la mission et d'accomplir la mission. Voilà. Avant d'accomplir la mission. Oui, oui. Gloire à Jésus. Une autre personne. Shalom, homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans ce cas-là, on ne peut pas savoir. Parce que dans le livre de Luc, il est dit comme ça que à 12 ans, on a vu Jésus-Christ au temple. Et un moment passé, 12 ans, il a disparu. Et arrivé, c'était à 30 ans déjà, on le voit
réapparaître. Mais de 12 ans à 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était en train de travailler pour sa vie? Est-ce qu'il était en train d'opérer des miracles? Est-ce qu'il était en train d'apprendre? On ne sait pas. Donc moi, je veux dire ce que j'ai à dire. Je ne veux pas le dire comme ça que vraiment... Il n'a pas au-delà de ce qui a été écrit. Voilà. Si ce n'est pas écrit, ce qu'il n'a pas fait. Allons-y. Donc là, je peux dire vraiment, je ne sais pas si c'est assez. Est-ce que Jésus-Christ a fait des miracles avant son baptême? Non. Oui, homme de Dieu. Voilà. Là-bas, homme de Dieu. Dites pas. Shalom. 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 Jésus n'a pas fait des miracles avant son baptême. Jésus n'a pas fait des miracles avant son baptême. Son premier miracle, c'est après le baptême, le jour des. La lance des Cana. Ok. Il dit Jésus n'a pas fait de miracle avant son baptême. Qui d'autre veut intervenir? Vous allez comprendre. Je pourquoi cela a été ainsi. Shalom, shalom. Shalom. Ce que je constate en Luc 4, lorsque nous lisons Luc 4, amen. Jésus a été baptisé. Oui. Et l'Esprit de l'Éternel l'a amené dans le désert où il a passé facilement 40 jours et 40 nuits. Amen. À partir du verset 14 que je voudrais qu'on dise, on va comprendre que la puissance de l'Éternel s'est revêtue du Seigneur et c'est à partir de là que sa renommée a commencé à prendre toutes les villes. Amen. Ouais, le verset 14 de Luc 4, je voudrais qu'on le lise. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Voilà. Donc c'est après le baptême et ces jeûnes de 40 jours que Jésus a commencé à faire des miracles. Amen. Ok. Nom de Dieu, oui. Alléluia. Amen. La question est de savoir est-ce qu'avant son baptême, il a opéré des miracles. C'est la question. Avant le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas opéré de miracles. Amen. Maintenant, oui. Alléluia. Et je voulais rebondir sur quelque chose, de rendre un témoignage concernant. Vous avez parlé de. Est-ce qu'il y a un sens de mariage? Est-ce qu'il y a un sens de voyage? Le témoignage que je voulais rendre, j'en ai parlé même à l'homme de Dieu à la pause. J'étais dans un taxi, et un homme de Dieu, bon, un monsieur était en train de communiquer, et il disait à celui qui était au bout du fil qu'il allait rendre visite à une brebis. Et quand il a prié, l'onction de riz est descendue, l'onction de riz, quelqu'un qui de riz, comme ça, est descendue sur la bien-aimée, ça a commencé à rire. Oui. J'ai crié scandale. J'ai dit, mais ça c'est quel ça c'est une doctrine de démon. Une doctrine de démon. Et même j'ai essayé d'enseigner sur l'onction, c'est quoi l'onction? Amen. Mais, et puis j'ai arrêté l'enseignement. Amen. Donc c'est pour dire que vraiment, ce que vous êtes en train de dire, il y a tellement de doctrines de démons qui circulent. Alléluia. Donc, Jésus n'a pas fait de miracle avant son baptême. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas fait de miracle avant son baptême? Lui, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Oui. Pour ma part, le Seigneur est le plus grand pédagogue qui existe. Amen. Et il nous enseigne par sa manière même de s'habiller tout à coup. Donc tout ce que le Seigneur fait, il est en train de nous enseigner. Et s'il n'a pas fait de miracle avant, il pouvait très bien le faire. Mais il a voulu nous enseigner qu'il faille que nous soyons préparés avant d'entrer dans le sacerdoce. Amen. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. Le Seigneur n'a pas fait de miracle avant le baptême, parce que c'est à son baptême que le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit, qui ressort le Saint-Esprit. Amen. Dès que Jésus lui était baptisé, il est sorti de l'eau. Il est sorti des eaux du baptême. Et voici. Voici quelque chose va se passer. Et voici. Les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre. L'Esprit de Dieu est descendu. Comme une colombe. Comme une colombe, oui. Et venu sur lui. Amen.
On a dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'onction. L'Esprit de Dieu est égal à l'onction. Et pourquoi Jésus n'a pas fait de miracle avant son baptême? Lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, on dit l'Esprit de Dieu est descendu après une forme d'oiseau, colombe, et est descendu sur Jésus. C'est en ce moment qu'il a reçu l'onction. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'onction. Donc lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, et que les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle, est descendu sur Jésus. C'est en ce moment que Jésus-Christ a reçu l'onction. Et à partir de ce moment-là, il était poussé dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Et c'est fini. Tout a déclenché. Alléluia. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. La véritable onction, ce n'est pas la bouteille d'huile d'olive. La véritable onction ne se vend pas au marché. Mais la véritable onction, c'est Jésus lui-même. Gloire à Jésus. On va prendre Actes maintenant 2, 17 à 19. Actes 2, 17 à 19. Amen. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Voici la véritable onction. Lorsque tu la reçois, voici ce qui va se passer dans ta vie. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Prophétiseront. Donc, dans les derniers temps, le Dieu, le Saint-Esprit, va répandre son esprit. Il va répandre l'onction. Dans les derniers jours, Dieu va répandre l'onction lorsqu'il dit toute chair. Voici le verset qui fatigue beaucoup de personnes. Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Donc tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Si on veut, si on veut lire ce verset selon la sagesse humaine, selon le raisonnement humain, lorsque Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, il n'y a pas d'exception. Donc tout le monde doit recevoir son esprit, même que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois bouddhiste, si on veut raisonner selon la sagesse humaine. Parce qu'il a dit, sur toute chair, là, il n'y a pas d'exception. Mais lorsque le Seigneur parle de toute chair, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je vais répandre l'onction sur toute chair. Mais c'est sur quelle chair il va répandre l'onction? Amen. C'est ce verset-là qui fatigue beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit ne sera pas répandu sur toute chair. Mais le Saint-Esprit sera répandu sur tous ceux qui pratiquent la sainte doctrine. Qui pratiquent, il n'y a pas qui viennent à la sainte doctrine. Mais qui pratiquent la sainte doctrine. Selon 2 Jean 1, verset 9. Les hommes de Dieu. 2 Jean 1, verset 9. 2 Jean 1, 9. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Elle ne demeure pas dans l'enseignement de la sainte doctrine. N'a point Dieu. Cette personne n'a point Dieu. Or, nous savons que Dieu est égal au Saint-Esprit. Donc, tant que tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, tant que tu ne demeures pas dans la sainte doctrine, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Donc, la condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de demeurer dans la sainte doctrine. C'est de pratiquer la sainte doctrine. C'est de marcher selon l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui ne marchent pas selon la sainte doctrine, que tu sois d'une confession religieuse, si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, tu ne pourras jamais recevoir le Saint-Esprit. Et le livre de Joël 2, verset 28, ne s'adresse pas à toi. Amen. Joël 2, verset 28, s'adresse à tous ceux qui pratiquent la sainte doctrine, à tous ceux qui mettent les commandements du Seigneur en pratique. C'est la loi morale. Toutes ces personnes-là, c'est à eux qu'est réservée l'onction. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, ceux qui ne pratiquent pas la sainte doctrine, ils ne pourront jamais recevoir l'onction. Ils ne pourront jamais recevoir le Saint-Esprit. Donc, regardez un peu les églises où la sainte doctrine n'est pas pratiquée. Tout ce qui se passe dans la page ne vient pas de Dieu. Même si vous voyez des personnes traîner, des personnes se rouler dans le sable, ça ne vient pas de Dieu parce que l'onction n'y est pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Pour que le Saint-Esprit y soit, il faille au préalable que la sainte doctrine soit respectée. Oui. Alléluia. Oui, homme de Dieu.
Donc Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28 ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne toutes les personnes qui s'attachent à la sainte doctrine. Ça concerne toutes les personnes qui mettent la sainte doctrine en pratique. Qu'est-ce que dit Romains 8, verset 14? Romains 8, verset 14, dit quoi? Romains 8, verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, oui, sont fils de Dieu. Claire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Viens au verset 9. Pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'Esprit. Si du moins. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, s'il n'a pas l'onction, il ne lui appartient pas. Tu n'appartiens pas à Dieu. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Donc Joël 2, verset 28. Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Donc nous, nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais c'est toutes les personnes qui pratiquent la sainte doctrine qui pourront recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'onction. Et pour avoir l'onction, tu dois demeurer dans la sainte doctrine. Alléluia. Pour avoir l'onction, tu dois demeurer dans la sainte doctrine. Donc c'est pourquoi ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire par les faux miracles. Parce que toute église qui ne prêche pas la sainte doctrine n'est pas de Dieu. Jésus. Toute église qui ne prêche pas la sainte doctrine n'est pas de Dieu. Or, il y a une seule condition pour aller au ciel. Tu peux accepter Jésus. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Impossible. Parce que Romains 8, verset 9 le confirme. Romains 8, verset 9 le lit. Ça le confirme. La condition pour rentrer au ciel, il faut être fils de Dieu. Beaucoup sont dans la cible. Ensuite, tu n'es pas fils de Dieu. Tu ne pourras jamais rentrer au ciel. Si tu n'as pas l'onction qui est le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais rentrer au ciel. Donc la première chose que tu dois rechercher, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. C'est la première chose que nous devons rechercher. Donc tous ceux qui coûtent les soi-disant onction de mariage, onction de travail, et du mensonge. Donc nous devons tous rechercher l'onction qu'est le Saint-Esprit. Parce qu'en dehors de lui, personne ne perd le ciel. Selon Romains 8, verset 9. Romains 8. 9. Romains 8, verset 9. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins. Quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'onction, il n'appartient pas à Dieu. Mais toi, si tu n'appartiens pas à Dieu, est-ce que tu peux voir son royaume? Impossible. Pour voir son royaume, tu dois lui appartenir. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne pourras jamais voir son royaume. Donc, la première chose que nous devons rechercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, aujourd'hui, tu dois comprendre que l'onction, en réalité, c'est le Saint-Esprit. La véritable onction que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Amen. Homme de Dieu, oui. Il y avait une question. Il y a une question. Shalom. Shalom. Monsieur le frère David, Jésus revient à ça. Amen. C'est pas plutôt une question, mais j'aurais voulu que Monsieur puisse expliquer sur Joël, le verset de Joël 2. Oui. Parce que les femmes pasteurs ont tendance à dire Oui. que
comme le verset dit que dans les derniers temps, il va répondre sur l'esprit sur toute chair. Donc, elles aussi, elles ont reçu l'onction de soutenir la chair et de prêcher. D'accord. Donc, je veux conseiller plus explicitement. Gloire à Jésus. On va pour le passage. Joël 2, verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai l'onction sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. On s'arrête là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que là une précision a été donnée par rapport à la chair sur laquelle le Saint-Esprit sera répandu? Est-ce qu'une précision a été donnée? Il dit, je répondrai pour l'esprit toute chair, n'est-ce pas? Le musulman est une chair. Le catholique est une chair. Le bouddhiste est une chair. Donc, ces derniers peuvent recevoir également le Saint-Esprit étant musulman. Vu que le musulman est une chair, et que Joël 2, verset 28 dit, dans les derniers temps, Dieu va répondre sur l'esprit toute chair. Donc, le musulman peut-il recevoir le Saint-Esprit également? Maintenant, pourquoi il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Vu qu'il est une chair également, comme nous tous. Oui, homme de Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu. Le musulman, le bouddhiste, le yogi n'ont pas le droit d'avoir le Saint-Esprit. C'est parce que le bouddhiste est anti-Christ. Mais antichrist. Ouais, lui, il ne parle pas du Dieu. Pour eux, le Christ n'existe pas, le Dieu, d'autres dieux n'existent pas. Okay. Bon, les musulmans, ils parlent d'Allah. Alors là, on parle des enfants du Christ. Ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, qui font être en connexion avec Jésus pour avoir son Esprit. C'est ce que je vois. En dehors du Christ, personne ne peut avoir l'Esprit. C'est pas possible. Alors, on prend une chose. Joël 2, verset 28 dit, Dieu dit qu'il va répondre son esprit sur ton chair. Une précision n'a pas été faite. Si on veut raisonner selon la sagesse humaine, dans ce passage-là, aucune précision n'a été faite. Il dit, lui, il va répondre son esprit sur tout le monde. N'est-ce pas? Si on veut raisonner selon les hommes. Homme de Dieu. Oui. Donc, c'est ce qui veut dire que oui. Le musulman peut avoir l'esprit de Dieu. Si je comprends bien, je veux mieux comprendre. Amen. D'ici, je peux enseigner ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, oui, homme de Dieu, allez-y. Alléluia. Amen. Juste dire, c'est une observation. Sur toute chair, si le Saint-Esprit doit être répandu sur toute chair, et qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel, déjà, là, ça pose un problème. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Il y aura des gens qui vont rester. Alors, si tout le monde a reçu le Saint-Esprit, ça fausse le calcul. Amen. Voilà Jésus. Oui, homme de Dieu, Élisée. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Si nous prenons le passage de Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. On va lire. La croyance de Jésus-Christ et puis ceux qui ne croient pas Jésus-Christ. Amen. Parce que la personne qui n'a pas cru en Jésus-Christ, comme Jean 14, verset 15, dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, celui qui ne garde pas ses commandements au verset 21, celui qui ne garde pas les commandements de Jésus-Christ, ne lui appartient pas. Amen. Donc, nous prenons ici que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Si musulman ne croit pas à Jésus, il ne sera pas sauvé. Si les bouddhistes ne croient pas à Jésus, il ne sera pas sauvé. Okay, amen. Donc, c'est ce qu'il y a un peu à dire. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. Je voulais donner un verset. Ce qu'il y a, c'est que on
c'est que les gens confondent plusieurs choses concernant la parole du Seigneur. Et depuis que nous sommes là, nous sommes en train de voir plusieurs la manière dont le Seigneur parle dans sa parole. Et le langage utilisé par le Seigneur, c'est un langage des gens de la maison. Ce n'est pas un langage des gens de dehors. Vous dites quoi? Quand le Seigneur dit « sur toute chair », et quelqu'un s'hasarde à penser que, comme le Seigneur a dit « sur toute chair », moi aussi, d'avance, j'ai le Saint-Esprit, dans ce que les autres font, moi aussi, je peux faire. En ce moment-là, on peut penser que, si toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, que tu as le droit de faire ça, et celui qui est homme comme toi, musulman, qu'est-ce que lui aussi peut dire? Donc c'est dans cette ordre de pensée que nous sommes en train d'aller. Du coup, lorsqu'on revient maintenant, selon le langage de notre Père, que nous sommes en train d'adopter maintenant, on se rend compte que ne peut recevoir le Saint-Esprit que celui qui a accepté Jésus-Christ et qui marche dans la sainte. Amen. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Je voudrais dire la première partie du livre de Zacharie 12. À partir du verset 10. Zacharie 12, verset 10. Oui. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ouais. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Bon, je pense que c'est ce verset un peu similaire à celui de Jean 1, verset 29. Qui souvent crée aussi la polémique et puis de l'amalgame. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici, c'est activé. Voici. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, là, on parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc souvent, il y a des musulmans même là-dedans, dans certains échanges, ils disent, mais si Jésus a ôté le péché du monde, pourquoi est-ce qu'on voit encore le péché? Mais c'est ceux qui se repentiront que vont leur au péché ôté. Alors, c'est disponible. La grâce est disponible. Mais il faut la foi pour la recevoir. Alléluia. Donc c'est un peu la même chose dans le cas de Joël 2, verset 28. La grâce est disponible. Mais comme il a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est en croyant en lui, c'est par la foi en lui qu'on peut recevoir ce qu'il a promis. Amen. La foi dans le Christ. Gloire à Jésus. Amen. Ah, oui, c'est l'homme de Dieu là. Shalom, shalom. Shalom. C'est la sœur Esther de passage. Amen. Bon, je voulais juste ajouter un peu. Jésus-Christ lui-même, il a dit, il est un Dieu d'ordre et un Dieu de désordre. Donc, tu ne peux pas vivre dans le désordre et tu auras le Saint-Esprit. Mais il a dit, obéissez à ses commandements. Et c'est lorsque nous obéissons aux commandements, aux préceptes de Jésus-Christ, que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Shalom, shalom. C'est Obédis. Je suis le point Barnabas de Yania. Je prends le livre de Jean 17, le verset 3, qui dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il faut connaître d'abord Jésus-Christ, il faut croire en lui pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Voilà Jésus. Oui, maman. Shalom, c'est la sœur Marie de Bois-Christ. Shalom, je crois que le Seigneur, quand il a parlé dans le livre de Joël 2, le verset 28, il a précisé ce verset-là, ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit dans le livre de Jean 14, le verset 17. Il a dit, l'esprit de vérité que le monde peut recevoir.
le Seigneur a été fait, dit le monde ne va recevoir l'esprit de vérité. Mais ceux qui sont avec lui, ceux qui croient en lui, c'est ceux-là qui vont recevoir le Saint-Esprit. Oui, on est là, ici. Shalom, 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 monsieur le président. On lit Joël 2, 28. Il est dit, la question est de savoir si toute chair, est-ce que toute chair peut recevoir le Saint-Esprit. Amen. On en lit Acte 2, 16. On voit l'accomplissement de la prophétie. Où l'apôtre Pierre va dire, mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, quand on parle depuis le premier verset, toute chair qui est concernée ici, c'était ceux qui étaient les disciples de Christ, tout simplement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va revenir sur le passage de l'homme de Dieu, Élisée, qui a dit quelque chose. Acte 16, 15 à 16, il a dit quelque chose là-bas. Il a dit pour Marc. Non, non. Chose, Élisée. Son verset qu'il a donné. Attends, il a dit Acte 16, 15 à 16. Il a dit. C'est celui qui croira qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. On va lire le passage. Acte. Oui, Marc, pardon, vas-y. 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16, je vais avoir le Puis il leur dit. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez évangéliser toute la création. Celui qui croira, celui qui va croire, et qui sera baptisé, et qui sera baptisé, sera sauvé. D'accord. Maintenant, la question que moi je pose. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut croire pour être sauvé. Mais nos frères doivent avoir la raison. Ils ont cru en Jésus, mais pas cru en Jésus. Ils ont cru en Jésus ou n'ont pas cru en Jésus, c'est une question qui a été posée. Oui, homme de Dieu. Alors, nos frères de l'église, des églises de la voie large, n'ont pas cru en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi même? Parce qu'ils ne reçoivent pas les commandements de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ils ne prêchent pas la sainte doctrine qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Maintenant, Joël 2, verset 28, la question que l'homme de Dieu a posée, de savoir. Comme Dieu a dit que de les donner, va répandre son esprit sur toute chair, est-ce que les femmes qui sont dans les églises d'avantage peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit? Voici la question de l'homme de Dieu. Et nous avons dit quoi? On va prendre Romains 8, verset 9. On va commencer là. Romains 8, 9. Pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins. L'esprit de Dieu. Habite en vous. Si l'esprit de Dieu habite en vous. Allons-y. Habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Donc pour appartenir à Christ, il doit avoir son esprit. Maintenant, comment on peut recevoir le Saint-Esprit? Et où on peut recevoir le Saint-Esprit? Voici la question, deuxième question. 2 Jean 1, verset 9. Donc, pour appartenir à Christ, tu dois avoir le Saint-Esprit. Maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? Et qui peut recevoir le Saint-Esprit? Selon 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et ne pratique pas la sainte doctrine. N'a point Dieu. Ok. Dieu est égal au Saint-Esprit, on est d'accord. Dans ce passage-là, tu remplaces Dieu par le Saint-Esprit. Vu que Dieu est égal au Saint-Esprit. Donc, pour appartenir à Dieu, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Donc, tu remplaces Dieu par le Saint-Esprit. Allons-y. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et ne demeure pas dans la sainte doctrine. N'a point le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas jamais aller au ciel. Donc la condition pour avoir le Saint-Esprit, tu dois demeurer dans la sainte doctrine. Amen. C'est moi le seul. Si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, gardez mes commandements, gardez la sainte doctrine, pratiquez la sainte doctrine. Donc, là, ceux sur qui le Saint-Esprit sera répandu,
C'est ceux-là qui gardent les commandements du Seigneur. C'est ceux-là qui pratiquent la sainte doctrine. Parce qu'en dehors de la sainte doctrine, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. La seule condition pour recevoir le Saint-Esprit, vu que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, tu dois pratiquer la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. Parce qu'il dit, je suis la parole. Sinon, Jean 14 au verset 6. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est égal au Saint-Esprit. Saint-Esprit égale à la sainte doctrine. Sainte doctrine égale à Jésus. Alléluia. Donc, si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, tu ne pourras jamais recevoir le Saint-Esprit. Donc, Joël 2, verset 28. Acte 5, verset 32. Donc, ce sur qui le Saint-Esprit va répandre l'onction, parce qu'on dit l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui l'onction sera répandue, Acte chapitre 5. C'est ceux-là qui pratiquent la sainte doctrine. Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Jean 14, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Obéissez à ma parole. Donc c'est tous ceux qui obéissent à la parole du Seigneur. C'est tous ceux qui gardent les commandements de Christ. Les lois morales, les ordonnances, les préceptes du Seigneur. C'est toutes ces personnes qui auront le Saint-Esprit. Mais en dehors de ces personnes, même si tu veux, il faut construire 10 immeubles pour l'homme de Dieu. Il faut acheter hameur, limousine, jet privé. Mais si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais aussi aller au ciel. Et pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois pratiquer la sainte doctrine qui est la véritable parole, la parole de vérité. Et vu que le Seigneur lui-même est un esprit de vérité, tous ceux qui sont dans le mensonge ne peuvent jamais recevoir le Saint-Esprit. Parce que si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, tu commences dans le mensonge. Parce que le contraire de la sainte doctrine, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Parce qu'on a dit que le Saint-Esprit est un homme. La sainte doctrine, c'est un homme, c'est Jésus. Or, Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est dans Jean 14, verset 6. Or, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Donc, une personne qui vit dans le mensonge ne pourra jamais recevoir le Saint-Esprit. Impossible. Gloire à Jésus. Donc, c'est pourquoi tous ceux ou toutes les femmes que vous connaissez, avec les faux cheveux, tout ça, ne peuvent jamais recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et homme de Dieu, il y a une question. Shalom, shalom. Amen, shalom. Comme je te dis, c'est pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Je prends l'exemple. Si celui qui travaille avec Satan est démonisé, c'est-à-dire qu'il est, il est démon la nuit, et puis la journée, il a la chair. Bon, celui-là, comme la nuit, il est démon, et la journée, il est comme nous, et il a la chair comme nous. Celui-là, si on lui donne, s'il reçoit le Saint-Esprit, il va faire quoi avec? Alléluia. Amen. Oui. On a déjà une question là. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc ça peut aller sur la question de Joël 2, verset 28. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc on a dit ici, lorsque le Seigneur dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, il a dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Amen. Tous chers sont les serviteurs et les servantes de Christ. Donc si tu n'es pas serviteur et si tu n'es pas servante de Christ, tu n'es pas consolé. Or le serviteur, c'est lui qui fait la volonté de son maître. Amen. C'est lui qui ne fait pas la volonté de son maître, n'est pas un serviteur. Amen. Donc pour être la société, il fait la volonté de Dieu. Donc ce dernier ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas serviteur. Un serviteur obéit à son maître. Un serviteur fait la volonté de son maître. Donc, oui. Shalom, shalom. Oui, oui. Je suis le frère David de Bassa. Allez, de Bassa. Comme je disais, ma question est la suivante. L'homme de Dieu a dit que tant que tu ne crois pas, que tu ne reçois pas le baptême, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tant que quoi?
tu ne crois pas en Jésus-Christ, oui, et que tu ne reçois pas le baptême, oui, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Quel est ça? C'est ce que tu avais dit. Oui. Alors, vas-y. Et Joël 2 dit aussi que oui, c'est sur toute chair qui va répondre sur l'esprit. Amen. Femme comme garçon. Femme comme garçon, oui. Et les femmes que nous croisons dehors, d'accord, utilisent ce verset, mm-hmm, pour dire qu'elles aussi, oui, elles ont cru, elles ont reçu le baptême, mm-hmm, donc elles ont reçu le Saint-Esprit, oui, elles peuvent enseigner. D'accord. Et nous voyons Josh Mayer qui prêche, nous, oui, voyons la dame de Jamé qui prêche, oui, de passer, par son message, elle saute et ça transforme des vies. Comment se fait-il cela? Amen. Voilà, Jésus, sois le nom de Dieu. On va prendre Actes 2, 17 à 18. Actes 2, 17 à 18. Actes chapitre 2, oui, verset 17 au verset 18. Mm-hmm. Dans les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Lui, sur mes serviteurs, et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Donc, avant que l'esprit soit répandu, tu dois être serviteur. Avant de recevoir l'esprit, tu dois être serviteur ou servante. Il dit, lui, sur mes serviteurs. Et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ah, le serviteur, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Amen. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui pratique la sainte doctrine. C'est lui qui est appelé serviteur. Celui qui ne pratique pas la sainte doctrine n'est pas un serviteur. Parce qu'un serviteur fait la volonté de son maître. Or, Christ dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc nous devons marcher selon la sainte doctrine. Donc toute personne qui ne marche pas selon la sainte doctrine n'est pas serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le séminaire, pendant que ça a commencé, plusieurs fois, même si tu es caméraman, il faut prendre la peine d'écouter. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, plusieurs fois, par les différents canaux, il a intervenu, il a parlé. Le Saint-Esprit n'est donné que à ceux qui lui obéissent. Amen. Maintenant, Actes chapitre 16, verset 16. Nous allons lire ensemble. Actes chapitre 16, oui, verset 16. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Comme nous allions au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python. Voici Josh Mayer. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, oui, vint au devant de nous. Oui. Et se mit à nous suivre. Oui. Paul et nous. Oui. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Dis-moi, ce qu'elle disait, c'était faux, mais c'était vrai. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais l'esprit dans lequel elle dit, ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que si c'est l'esprit de Christ va lui dire, descends de la chair. Parce que comme ce n'est pas l'esprit de vie, parce que l'esprit de Christ nous convainc du péché. Quand tu as le Saint-Esprit, il va te dire ce que tu es en train de faire, je n'aime pas ça. Et tu vas être attristé. Quand tu as le Saint-Esprit en toi et que tu es en train de poser un acte, tu ne glorifies pas le Saint-Esprit t'amène et tu commences à ne pas te sentir bien, tu commences à être attristé parce que le Saint-Esprit ne supporte pas l'acte que tu es en train de poser. Donc, Josh Mayer, si elle est animée du Saint-Esprit, elle doit reconnaître que 1 Corinthiens 14, 33 dit, une femme ne peut pas se mettre là. Alors si elle se met là et qu'elle commence à prêcher, ce n'est pas l'esprit de Christ. Même si elle dit la vérité. Maintenant, les fétiches font ça.
Ah. Les féticheurs procurent, donnent du bien aussi. Matthieu 24, verset 24, homme de Dieu. Attends, pardon, je viens. Le féticheur, oui, lis, lis, disons. Lis. Matthieu 24, verset 24. Oui. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ, donc des personnes Christ. Christ des points. Mais ils sont faux. Alléluia. Il va s'élèver des faux Christ. Des faux points. Des gens qui sont points. Mais l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est pourquoi quand il a commencé, il a parlé de onction et puis onction. La femme qui parlait dans Actes 16, elle avait onction, mais l'onction, ce n'était pas l'esprit de Christ. Donc, toute onction qui n'est pas, qui ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient du baleine. Mais dis-moi, est-ce que quand vous partez dans les églises de la voie large et que l'homme il prophétise, ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Ce qu'il dit là, c'est faux? Mais l'esprit dans lequel il le fait, ce n'est pas un esprit de Christ. C'est un esprit de séduction. C'est pas le Seigneur Jésus dit. Deutéronome 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Écoute, tu vas avoir l'esprit de Josh Meyer. Toutes ces églises, ce n'est pas elles seulement, même celles qui sont ici. Il y a une qui a marqué ici, elle est une grande église. Deutéronome, son mari est verte politicien aussi. C'est bon, alors. Deutéronome chapitre 13, verset 8. Le verset 1. Oui. S'il s'élève au milieu de toi. S'il s'élève au milieu de toi. Un prophète ou un songeur. Un prophète ou un songeur. Qui t'annonce un signe ou un prodige. Qui t'annonce un signe ou un prodige. Et qu'il y ait accomplissement du signe. Il y ait accomplissement de ce qu'il t'a dit. Ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons. Maintenant il te dit allons. Après d'autres dieux. Alors il te dit non, la femme peut prêcher des dieux que tu ne connais pas. La femme peut porter des boucles d'oreilles et ses volets. La femme peut porter des pantalons. Tu n'écouteras pas. La femme peut divorcer et se remarier parce que Josh Meyer s'est remarié. Elle s'est remariée, elle a changé les hommes comme des vêtements. Reprends la partie là. Elle te dit ça. En te disant. En te disant. Allons après d'autres dieux. Allons après d'autres dieux. Donc moi, je vais me marier et je suis à mon cinquième mariage. Que dit Luc au sujet du mariage, celui qui répudie une femme. Et qui en épouse une autre comme un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet aussi un adultère. Donc, si la personne a l'esprit de Christ va l'amener à obéir à cette parole. Donc, s'il n'obéit pas, l'esprit de l'anime là, ce n'est pas l'esprit de Christ. Est-ce que tu comprends? Oui, allons. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tu n'écouteras pas cette dame. Même quand même qu'il t'a dit, et il y a eu accomplissement du signe. C'est-à-dire ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi, même si la prédication donne des frissons, d'achat de boules, ça donne envie de pleurer. Et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui vient là, ce sont des chimères. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, que ce soit. Just Meyer, que ce soit Monet Jean, mais Monet quoi le gramme, ou bien quoi, je ne sais quel nom. Si la personne est réellement poussée par le Saint-Esprit, il va retourner aux Écritures. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, c'est comme ça, la vie, ce qu'elle dit, et puis ce qu'elle fait ici est différent, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Les sentiments, le Seigneur ne se met pas dans les sentiments. C'est pas parce que la personne a une grande église ou bien a réuni, ça c'est, on les appelle des coachs. Ils ont trouvé leur nouveau nom maintenant. Ce sont des coachs, sinon ça n'a rien à voir avec l'esprit de Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Alors, même toi en tant que serviteur de Dieu, si tu commences à te détourner de la foi de l'Éternel, le Saint-Esprit te quitte.
rapidement. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir cohabiter avec le péché. Maintenant, dis-moi, termine. Et puis tu vas prendre Exode 33. Toujours on répète ça ici. Exode 33, verset 5 à 6. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tu ne vas pas écouter cette parole. Ou de ce songeur. Même si quand il te touche, il y a un sion. C'est-à-dire qu'il te touche, tu tombes, tu le gars là, frère là, il est rempli. Car c'est l'Éternel. Car c'est l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Qui vous met à l'épreuve. Et aujourd'hui encore, plus je sois à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Et donc toute femme, ou toute personne qui fréquente une église, ou le pasteur, ou la femme, laisse rentrer ou pas des mèches, ou pas des pantalons, ou se met à la chair. L'Éternel te dit, mon fils, regarde. Choisis la vérité. Maintenant, si toi-même tu t'engages de suivre cela, ton sang va le tomber sur ta tête. Dieu ne va pas t'éduquer. Il ne va pas avertir. Exode 33. Exode 33. Verset 5 à 6. Écoute. Verset 5 à 6. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple au courroie. Vous êtes un peuple têtu. Si je montais un seul instant au milieu de toi. Si le Saint-Esprit ne serait-ce que moi rentrait quelque dans le corps d'une Jézabel, ne serait-ce qu'un seul instant, je te consumerai. Je vais te détruire. Ôte maintenant tes ornements de dessus. Pour que je puisse rentrer, retire d'abord tes ornements de dessus toi. Et je ferai ce que je peux. Et maintenant, moi, je peux faire ce que je peux voir ce que je peux faire pour toi. Alléluia. Donc, une femme qui a des ornements. Quand le Saint-Esprit vient d'abord, là, elle doit d'abord enlever cela. C'est pourquoi quand il vient à la porte, on lui dit, si tu veux rentrer, attends d'abord. Si tu ne veux pas enlever, reste là-bas. Il y a beaucoup d'églises là-bas. Mais si tu veux rentrer ici, parce que le Saint-Esprit veut travailler, parce que si elle rentre, elle meurt, qui a problème? Donc pour éviter le problème, bah, alors reste là-bas. Parce que le Saint-Esprit, il dit, si je montais, ne serait-ce qu'un seul instant, alors qu'il a dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors si Dieu ne serait qu'un Seigneur, venez en toi, il va te consumer, car l'Éternel est un feu dévorant. Donc pour ne pas te détruire là, il te met en garde. Et tout serviteur de Dieu est habilité à avertir. Maintenant, si le serviteur de Dieu n'informe pas, ce qui veut dire qu'il n'appartient pas à Christ. C'est pourquoi vous êtes bien homme de Dieu. Même s'il vous reste, il y a 1500 chaises. Et vous avez fait 1500 sièges. Il y a une grande salle de 1500 places. Et le bien aimé, il y a une seule personne qui vient et qui prie avec toi. Il est mieux d'avoir une seule personne que d'avoir les 1500 personnes et aller en fait. Parce que le Seigneur, je te dis, là où deux ou trois sont rassemblés, alors mon nom, il est présent. Alors quand le coin est infecté, il n'est pas là. Il ne peut pas être là. Même s'il y a 10 000 personnes. Même si c'est un stade. Avant de rentrer, il doit se conformer à la parole. S'il ne peut pas se conformer à la parole, Dieu. S'il nous reste deux personnes, il est mieux d'être entre deux que d'être avec un milliard de personnes. C'est pourquoi ceux qui restent avec un milliard de personnes, c'est. Ils ont pour Dieu là, et c'est pourquoi, c'est à cause des dîmes et des offrandes, puisqu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils veulent remplir la caisse, parce qu'il y a plus d'hommes, ça fait plus de d'argent rentrer dans la caisse. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est vous qui allez maintenant aller pour toi. Allez faire le premier. Et pas toi. Si tu meurs, je vais tout dans l'enfer. Bien sûr. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Ok, moi, je suis le frère Jacques de Bassam. Ma question, c'est à propos de l'ancien. L'homme de Dieu a dit que l'onction ne se retrouve pas dans la bouteille. Et moi, je crois que l'onction guérit. Je veux qu'il m'exprime un peu sur ce côté. Alléluia. Je vois les gens qui prient
les gens pour aller se laver, ils sont guéris. Ça aussi, c'est l'onction de l'eau ou bien. C'est quoi? Tu n'as qu'à m'expliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonne question. L'onction. La source. Alléluia. On va prendre Matthieu 24, verset 24. On va comprendre quelque chose là. Nous avons dit que l'onction est égale au Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Donc, lorsqu'il y a la puissance, il y a guérison, il y a délivrance, il y a prodige, il y a miracle. Parce que la puissance est là. Alléluia. Mais attention. Attention. Matthieu 24, verset 24. 24. Attention, allons-y. Car il se lèvera de faux Christ. Car il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils vont faire de grands prodiges. Et des miracles. De grands miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. Mais est-ce que seule une puissance peut faire un miracle? Non. Donc c'est pour dire que l'onction aussi peut venir de Satan, du diable. Donc, la véritable onction se retrouve dans la sainte doctrine. Mais tout ce que vous voyez en dehors de la sainte doctrine, où il y a les semblants de guérison, où il y a les semblants de délivrance, où des personnes se traînent, ça vient directement du monde astral, ça vient de Satan. Alléluia. Parce que Satan, lui aussi, c'est un séducteur. Il regarde ce qui est vrai. Il voit le vrai. Et il copie sur l'original. C'est sa spécialité. Parce que lui-même, il n'a rien inventé. Il prend le vrai et il copie. Donc Satan s'y fait des miracles. Satan s'y fait des prodiges. Satan fait des... il guérit des faux semblants de guérison. Amen. Mais, est-ce que cette source vient de Dieu? Non. Alléluia. Et aussi avant, on va voir dans Acte 17. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a, comment il s'appelle, Élie, qui rend le témoignage de son papa, qui était mystique. Alléluia. Et son papa qui n'a pas manqué de la prière, lui dit, mon fils, viens. Viens, on te montre comment guérir. Viens te montrer comment guérir les gens. Alors, pour guérir la personne qui est malade, qui est atteint, et même, Joseph même a rendu le même témoignage. Joseph aussi a parlé de la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne qui est malade, qui vient voir le féticheur lui dit, d'accord, je vais consulter. Alors, le féticheur va dans le monde des ténèbres s'accorder avec celui qui l'a lancé le sort. Alléluia. Et il signe un accord. Et l'accord qui est signé, soit c'est un accord de 6 mois ou de 3 mois. Voilà ce qu'il fait tous ces pasteurs. Alléluia. Alors l'accord qui est signé, soit c'est pour 6 mois ou 2 ans. Alors pendant ces 2 ans, la maladie disparaît. Alléluia. Et après ces 2 ans, si la personne meurt, est-ce qu'il va accuser encore le fait de ceci? La vie des noms, les morts de lui-même. Alléluia. Et voilà ce qui se passe dans le monde des ténèbres, avec les féticheurs, avec les marabouts. Même les pasteurs le font aussi comme ça. Alléluia. Les pasteurs font la même chose. Alléluia. Ils vont faire cela. Alors encore, il y a un autre encore que je vais expliquer. Le Seigneur dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que ces faux moyens vont venir et vont faire des miracles mensongers. Alléluia. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. Oui. Et la parole du Seigneur. Oui. L'apparition de cet impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, avec
alors toutes sortes de miracles, de signes. Donc, il y a des petits miracles, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il a parlé de puissance. Donc, il va faire des miracles. Mais ces miracles-là, oui, continue. De signes et de prodiges mensongers. Mais mensongers. Ce n'est pas conforme à la parole. Nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui la vérité. En dehors de Jésus-Christ, tout ce qui vient, c'est le mensonge. Alléluia. Donc, tout serviteur qui dit que quand tu es serviteur de Christ, ça veut dire que tu obéis à Christ. Amen. Mais quand quelqu'un n'est pas serviteur, tout ce qu'il n'a pas oublié, les gens pensent que le fait de dire Jésus, Jésus, ça veut dire que tu es serviteur de Christ. Non! Ce n'est pas parce qu'il dit Jésus. Qui est serviteur de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, que plusieurs viendront et diront Seigneur, 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 Seigneur. Et le Seigneur dit à la fin, je vais dire quoi? Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas parce qu'il dit Jésus. Il met le nom de Jésus en bas, en haut, mais en bas, ce qu'il fait n'a rien à voir avec Christ. Vérité. Oui, Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent. Seigneur. Mais l'homme de Dieu a parlé avec la femme qui a marché, elle dit Seigneur. Ou bien elle ne dit pas Seigneur. Il a parlé de Sinach, elle dit Seigneur. Non. Mais elle a marché la tête, non. Et puis toi tu dis Seigneur, non. Hein? Mais tu as voir aussi la tête. Mais entre les deux là. Lequel dit le nom de Jésus véritablement? Ou bien, elle a mèche, elle a force, forme, talon, coran, pantalon, patrie bombée, mascara, tout ça, mais elle dit Jésus. Donc, parce qu'elle dit Jésus, ça veut dire qu'elle a le Saint-Esprit. Non! Et en plus de cela, elle ajoute à un palais de l'homme là-dessus. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, celui-là qui peut avoir accès au ciel, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas aller au ciel. Alors que le Saint-Esprit aussi est donné à ceux-là qui lui obéissent. Oui. Amen. Donne le micro. Micro derrière. Alléluia. Voilà, j'aimerais un peu renchérir un peu sur ce passage. Ouais, en parlant de tout ce qu'on appelle huile d'onction. Alléluia. Eau bénite et tout ça. On va prendre Jean 9 à partir du verset 1. Et puis on va suivre aussi au verset 5 et verset 6. Jean chapitre 9, voilà, le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alléluia, on va lire au verset, à partir du verset 5, verset 6, 7. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Donc voilà ce que le Seigneur fait, il crache par terre. Et fit de la boue avec sa salive. Voilà, il fait de la boue avec lui-même sa propre salive. Alléluia. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alléluia. Et puis et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Alléluia. Donc, on prend du sable, quelqu'un va prendre du sable et puis il applique sa salive. Et puis, il met ça, il applique sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver. Alléluia. Donc, d'après vous-même, c'est quelle manifestation qui s'est passée tout à l'heure? Alléluia. Bon, quand on voit,
on voit que ce n'est pas quelque chose de naturel. Alléluia. Mais c'est comme il y a une puissance en fait qui agit. Alléluia. Il y a une puissance en fait qui agit par le sable et puis la salive. Parce que si toi-même, tu prends le sable et puis la salive et puis tu commences à malaxer, et puis tu dis, bon d'accord, tu appliques comme l'autre, tu vois qu'il n'aura aucun effet. Alléluia. Mais derrière l'acte qui s'est passé, il y a une puissance. Parce qu'après ça, il y a eu la guérison. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, prendre de l'eau, comme il a dit. Prendre de l'eau comme ça et puis vendre. Ou bien prendre de l'huile et puis donner vente aux gens et demander pour ça, c'est l'huile d'onction et tout ça. Alléluia. Voilà parce que l'homme de Dieu disait qu'il y a onction et puis onction. Amen. Mais par derrière, il y a une puissance qui agit. Parce que l'onction, c'est la puissance. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais qui agit comment? Par la foi. Amen. Amen. Qui agit par la foi. C'est comme toi. Tu peux prendre aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu vas prendre de l'eau. Alléluia. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire ici. Même à la délivrance, on prend de l'eau. Il suffit simplement qu'on prie dessus. On demande au bien-aimé, tiens, bois. Cette eau-là, nous déclarons que c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et pendant que cette personne est en train de boire, automatiquement, la personne, s'il y a des choses impures sur lui, la parole que tu as déclarée va se manifester à l'instant même. Avec comment? Par la foi. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que la puissance agit. Sinon, cette eau-là, elle est naturelle, elle est simple. Il n'y a aucune force en elle. Alléluia. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'eau devient le sang de Jésus-Christ spirituellement. Alléluia. Donc une eau qu'on va retrouver et puis on va aller vendre cette eau-là. On appelle ça eau bénite et tout ça. Mais si ceux-là même qui font cela n'ont rien en eux, il n'y a aucune puissance. C'est le Seigneur, pas le Saint-Esprit. Bon, non seulement un roi, il vend cela. Bon, il n'est plus rien y avoir. Alléluia. Que ce soit de l'huile et tout ça, il n'est plus rien y avoir parce qu'il n'y a aucune manifestation, il n'y a aucune force, aucune puissance. Alléluia. On va aussi prendre le livre des Actes 19 à partir du verset 11. Acte 19. On va voir que ce n'est pas seulement le Seigneur qui manifestait la puissance, mais aussi les apôtres. Alléluia. Amen. Acte 19, du verset 11, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles, extraordinaires, par les mains de l'apôtre. Par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades. Non, au point qu'on appliquait sur les malades. Des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Alléluia. Et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Naturellement même, déjà même sa sueur manifestait la puissance. Il y avait de l'onction même. Il était rempli tellement onctionné que même sa sueur, on prenait sa sueur pour guérir les malades. Alléluia. Donc, comme les Écritures le disent, Paul rempli du Saint-Esprit. Donc, si toi tu es rempli du Saint-Esprit, alléluia, tu n'as pas besoin même de forcer les choses. Même simplement en saluant quelqu'un, la personne ressent la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que ce soit les huiles qu'on vend, les mouchoirs magiques, les mouchoirs de chance, les mouchoirs de temps, et les eaux de temps et tout ça, tout ce qu'on vend. Tout ça là, ça vient du diable. Alléluia. Ça vient du diable. Mais le Seigneur dit que vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Alléluia. Mais c'est par la foi, amen, qu'il y a des guérisons au travers de toutes ces choses, que ce soit de l'huile, qu'on peut appliquer. Si on prend de l'huile et qu'on applique, l'huile elle est naturelle. Alléluia. À l'état pur, elle est naturelle, simple. Mais lorsqu'on prend l'huile, et nous déclarons sur cette huile, au nom de Jésus, cet esprit, nous consacrons cette huile. À l'instant même, spirituellement, lui a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus l'huile naturelle. Les hommes peuvent le voir comme ça de façon naturelle, mais ce n'est plus l'huile naturelle. Parce que maintenant, il y a une puissance qui agit. Alléluia, au travers de lui. Mais comment? C'est parce que lui-là même qui a déclaré par la foi, et lui le sait a changé. Donc, quand on prend l'huile, quand on appuie sur le malade, automatiquement, il y a réaction. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, lui, il va beau faire, il va beau dire, il n'aura rien, zéro. Amen. Donc l'onction, d'où est tirée ton onction?
doute d'esprit, est-ce du Saint-Esprit ou est-ce du mal? Alléluia. La voici, il dit il y a onction et puis il y a onction. Amen. Parce que eux, leur onction, au contraire, l'autre, ça n'est pas du bien, mais ça te détruit. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, je voulais apporter un additif, si c'est possible. Alléluia. Donc, je vais me joindre à notre frère. Il a parlé de l'onction. Il a dit, normalement, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qu'un serviteur de Dieu doit connaître. Allons-y dans le premier passage de Luc, chapitre 4, verset 14. Une autre personne pourrait voir Actes, chapitre 1, verset 8. Luc chapitre 4, verset 14. Allons-y. C'est lui qui a eu peu lire. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Attends d'abord, frère. Qui est le modèle par excellence? Jésus. Alléluia. Amen. Il est le Dieu tout-puissant qui est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple. Comment un serviteur de Dieu peut réussir son ministère sur la terre. Alléluia. Donc Jésus, allons-y. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Alentour. C'est là qu'a commencé le miracle, c'est pas ça? C'est là qu'a commencé la puissance, c'est pas ça? Mais quand on dit on révèle quelque chose, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Donc revêtu de la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Ça vous dit ici quelque chose, non? Il a reçu d'abord l'Esprit de Dieu, mais là, il est revêtu. Il y a quelque chose. Allons-y, deuxième passage. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous, recevrez une puissance. Tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Revenant sur vous. Donc, il vient où? Sur eux. Il vient où? Sur. C'est pas identique au revêtement. Alléluia. Donc il vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Il a la capacité maintenant de revenir sur toi comme un vêtement. Et quand il devient un vêtement, la puissance se déploie. C'est clair. Et ta renommée. Alléluia. On n'a pas fini. Allons-y. Acte chapitre 7, verset 55. Le dernier passage. Acte chapitre 7, verset 55. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Mais Étienne, qui était un homme de la même nature que toi, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et fixant le regard vers le ciel. Ah! Vis la gloire de Dieu. Donc à ce niveau-là, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, tu vois ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a un mystère qui est caché. Il y a une bouteille qui est à l'intérieur de toi. Et on m'a dit, tu veux me j'utilise quoi encore? Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, tu dois être rempli. Un, tu as reçu le Saint-Esprit. Deux, tu dois être rempli. Parce que quand tu es rempli, on prend une bouteille vide, on va remplir de l'eau. Quand on remplit de l'eau et que ça déborde, qu'est-ce que ça fait? Ça coule, non? Maintenant, la bouteille elle-même, elle est en train d'être revêtie. Tu vois ça? Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Tout bon serviteur pour voir comme Étienne la gloire de Dieu doit être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même est parti dans le désert. C'est quand il est sorti qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Donc tout bon serviteur doit passer par là. Que Dieu bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pour revenir à la question de l'homme de Dieu, Jacques, disant que un serviteur qui prend de l'eau, qui prie sur l'eau, et qui donne cette eau à un malade, et après emploie ce malade guéri. Donc, est-ce que cette eau est appelée eau d'onction ou huile d'onction? Jacques 5, 14 à 15. Est-ce que c'est cette eau qui a guéri cette personne? Est-ce que c'est l'huile qui guérit? L'onction, c'est quoi? Jacques 5, 14 à 15.
Jacques 5, 14, 15. Oui, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loyant d'huile au nom du Seigneur. Lorsque les anciens vont commencer à prier pour le malade, ils vont mettre de l'huile sur le malade. Oui. Mais est-ce que c'est l'huile qui va guérir le malade? Question. Allons-y. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi va sauver le malade. Ce n'est pas lui qui guérit. Et le Seigneur le relèvera. Amen. Amen. Donc c'est la prière de la foi. Donc lorsque tu déclares, tu peux même mettre l'huile sur le malade. Si tu n'as pas la foi, il ne guérit pas. Alléluia. Amen. Tu peux mettre l'huile sur ta tête. Tu n'as pas la foi, il ne guérit pas. Parce que le Seigneur ne regarde pas l'huile. Mais il regarde la foi qui accompagne l'action. Il regarde la foi qui accompagne l'action. Alléluia. Donc le Saint-Esprit ne se trouve pas dans une bouteille. Le Saint-Esprit est un homme. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus est esprit. Donc c'est la puissance et c'est lui qui est l'onction. Alléluia. Donc le mot une onction n'existe pas dans les saints d'Écriture. Gloire à Jésus. L'unction n'est pas biblique. Parce que si Dieu se trouve dans une bouteille, c'est une abomination. Dieu ne peut jamais se trouver dans une bouteille. Parce qu'il est esprit. Tu vas l'attraper ou pour le mettre dans une bouteille. Parce que c'est lui qui est l'onction. Lorsque l'onction se trouve dans la bouteille, c'est que Dieu est dans la bouteille. Et comment tu vas le voir? Où tu vas l'attraper pour le mettre dans une bouteille? Impossible. Alléluia. Maintenant, il y a deux sources. Comme on l'a dit dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Donc, on a dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'onction. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la puissance. Donc, Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'onction, c'est la puissance. Alléluia. Mais le diable aussi, comment il fait pour séduire beaucoup d'enfants de Dieu? Parce que de nos jours, beaucoup sont attirés par le miracle. Beaucoup sont attirés par le miracle. Et beaucoup pensent que là où il y a le miracle, il y a le Saint-Esprit, c'est faux. Là où il y a le miracle, beaucoup pensent que parce que les miracles s'opèrent, automatiquement le Saint-Esprit y est. Mensonge. Le diable également fait des miracles, comme je l'ai dit tantôt. Il est un imitateur. Il regarde l'original et il fait le trafiquer. Matthieu 24. Verset 24. Matthieu 24, verset 24. Mm-hmm. Nous lisons. Amen. Car il se lèvera de faux Christ. Les faux Christ sont les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit en elles. Et les faux prophètes. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit est appelée faux prophète. Amen. Ils feront de grands prodiges. Donc, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais comment il fait les grands prodiges? Par la puissance de Satan. Alléluia. Par la puissance de Satan, il fait aussi des prodiges. Il fait des grands miracles. Donc, c'est par là que Satan aussi trompe beaucoup de personnes. Satan aussi parle en langue. Satan aussi prophétise. Il donne des paroles de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir le discernement. Parce que le diable évite une personne qui a le discernement. Lorsque tu as le discernement, tu connais les yeux des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Satan aussi fait des miracles. Donc Satan aussi a son onction. Mais c'est l'onction maléfique. L'onction diabolique. L'onction satanique, parce que l'onction c'est une puissance comme on l'a dit. L'onction c'est Jésus, l'onction c'est la puissance. Donc vu que Satan aussi a la puissance, il a son onction. Mais c'est une onction diabolique. Alléluia. Et c'est cette onction qu'on retrouve dans les églises de l'avant l'âge. Là où la sainte doctrine n'est pas prêchée. C'est l'onction maléfique qu'on retrouve là-bas. C'est l'onction qui vient du monde astral. C'est l'onction qui vient du diable. C'est cette onction qui est retrouvée dans les églises de l'avant l'âge. Parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Et
Parce que le Saint-Esprit n'est pas comme automatiquement, c'est le diable qui règne. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est le diable automatiquement. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est le Saint-Esprit, ou soit c'est le diable. Donc toute église qui ne prêche pas la sainte doctrine, ces églises sont contrôlées par le diable lui-même. Donc, ces faux miracles viennent de la puissance diabolique. Alléluia. Acte 2, vous finissez, 17 à 19. Voici la vraie onction. La vraie onction que nous devons tous rechercher en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Dieu. Acte 2, 17 à 19, pour terminer. Acte 2, 17 à 19. Amen. Vous l'avez autorité. Acte 2, 17 à 19. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout chair. Le Seigneur va répandre l'onction parce que l'esprit est dans l'onction. Donc il va répandre l'onction sur toute chair, tous ses enfants. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. Auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Auront des songes. Oui. Oui, sur mes serviteurs, sur mes serviteurs, et sur mes servantes, et sur mes servantes, dans ces jours-là, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, et ils prophétiseront, je ferai paraître, ah, je ferai paraître des prodiges, en haut dans le ciel, en haut dans le ciel, et des miracles, en bas sur la terre, en bas sur la terre, du sang, du sang, du feu, du feu, et une vapeur de fumée, et une vapeur de fumée. C'est lorsque l'onction c'est Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas courir derrière le miracle. Nous ne devons pas courir derrière les prophéties, derrière les faux prophètes. Mais nous devons courir derrière l'onction là, venant en ce que le Saint-Esprit. Et c'est lui seul, le Saint-Esprit seul que nous devons rechercher. Parce que sans lui, personne ne pourra voir le ciel. Sans le Saint-Esprit. Amen. L'onction c'est énorme. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est lui qui oint ses serviteurs de son esprit. Et c'est lorsque tu as l'esprit de Dieu qui est l'onction lui-même que tu peux arriver à prophétiser. Tu peux arriver à faire des prodiges, des miracles, opérer des miracles. Parce que tu as l'onction qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas d'onction de mariage. Il n'y a pas d'onction de voyage. Il n'y a pas d'onction de prospérité. Amen. Il n'y a pas d'onction des affaires. Il n'y a pas d'onction pastorale. L'onction de mon pasteur, l'onction de mon apôtre va déverser sur moi. Ça n'existe nulle part dans les Écritures. Alléluia. La véritable onction, c'est Jésus. Et c'est lui que nous devons rechercher. Alléluia. Oui, on a bien fini. Question, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut dire que quand nous sortons pour annoncer l'évangile, comme les hommes de Dieu l'ont dit, et chacun de nous ici est témoin, nous rencontrons vraiment des questions. Alléluia. Parce que quand les gens nous écoutent, ils écoutent les enseignements, ils préparent les questions pour nous attendre en fouillant dans les Écritures. Alléluia. Amen. Et on va aller dans 2 Samuel. Alléluia. Parce que il faut que je soulève cela pour que, quand on va sortir, chacun puisse avoir une bonne position. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu est en train de nous enseigner, d'apporter la parole lors de l'inspiration du Seigneur. Et pour finir, après, il dit que il n'y a pas d'onction de mariage. Il n'y a pas d'onction de voyage. Il n'y a pas d'onction de, disons, de prospérité. Prospérité. Onction pastorale. Il n'y a pas d'onction pastorale. Onction apostolique. Il y a quelque chose que la parole de Dieu dit ici. Dans 2 Samuel 3, verset 39. Il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Zeruya, sont plus durs que moi. Que l'Éternel rende selon ma méchanceté et à celui qui fait le mal. Alléluia. Bon, on va rencontrer quelqu'un. On va lui dire qu'il n'y a pas onction présidentielle, il n'y a pas onction ceci. Et s'il prend ce verset-là pour lui dire, bon, David dit, j'ai reçu l'onction royale. Comment nous pouvions
nous défendre. Alléluia. Amen. J'ai reçu l'ensemble, hein, c'était tellement simple. On a dit l'ensemble c'est qui? L'ensemble c'est Jésus, qui est le roi des rois. C'est Jésus, parce qu'il veut dire la vérité, c'est Jésus simplement, c'est tout. Il a reçu le Saint-Esprit, c'est clair. Parce que le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Amen. Donc j'ai l'onction royale, ce sont les mots qui changent tout. Sinon, ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui l'a reçu. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui a reçu l'onction. Alléluia. Amen. Question. Je voudrais un peu demander quelque chose. Parce que j'aurais appris que lorsque tu es avec un homme de Dieu, un homme de Dieu est établi sur toi. Avant qu'il ne meure, il doit te laisser son option. C'est écrit où? Bon, en tout cas, moi, c'est un jour, lors de la prédication, j'ai appris ça comme ça. C'est pour ça, lorsque vous parlez de comment on appelle l'onction depuis la chasse ici, il voulait demander ça. Revenez votre présence, s'il vous plaît. Jean, je suis. Vous serez avec un serviteur de Dieu. Voilà. Oui, vous l'apprenez auprès de lui. Voilà. Oui. Il est établi sur l'œuvre. D'accord. Maintenant, avant de rendre l'âme là, oui. Est-ce qu'il doit laisser l'onction qui est sur lui ou bien à l'un de ses serviteurs ou bien. D'accord. Voilà. Est-ce que le Saint-Esprit est pour lui? Ah. Si le Saint-Esprit lui appartient, il peut laisser. Tu laisses quelque chose qui t'appartient. Lorsque une personne veut mourir, la personne peut laisser son héritage. Parce que c'est bien lui appartient, c'est pour lui. Donc il peut laisser l'héritage. Mais le Saint-Esprit c'est pour lui. Et c'est lui qui a laissé ça à quelqu'un d'autre. Parce que, oui. Pourquoi je le dis là, lors de la prédication dont je parle, oui. Cet invité-là a dit comme ça qu'il y avait un homme oui, de Dieu qui était là avec ses disciples. Et il devait mourir. Et il a fait un point comme ça, je vais dire quand même, puis il a mis l'eau. Ça dit, il a creusé, ça fait un truc comme ça, puis il a mis l'eau. Et puis il a mis les déchets dedans. Et puis il demandait à chacun de ses serviteurs de descendre dedans. Celui qui va accepter va être les déchets de l'homme. Voilà, celui qui va accepter de descendre dedans, alors c'est une personne soumise, c'est lui qui va prendre son option. Et de là, beaucoup ont requisé. Il y a un qui a accepté qu'il s'en lui disant c'est lui qui a reçu son option. Alors, c'est pourquoi il dit non, moi je n'ai pas vu ça. C'est pour le Seigneur qui demande. Alléluia. Tant que c'est pas biblique. Nous, en tant que serviteur de Dieu, nous se réfère aux Écritures. Donc, tout ce qui n'est pas dans les Écritures ne nous concerne pas. Amen. Parce que ce que vous venez de dire n'est pas biblique. C'est ici, même là, c'est dans l'ensemble, c'est précieux. Mais c'est pas biblique. Ah, d'accord. Celui-là, il fait ça. Amen. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. Moi, ce que je veux, j'aimerais dire, c'est que cette affaire d'onction, c'est compliqué. Lorsque je commençais à comprendre la vérité de la parole du Seigneur, en ce moment, je ne connaissais pas encore Jésus revient. J'étais allé un jour demander à mon pasteur. Je lui ai posé la question, pasteur, est-ce que toi tu es sûr que moi j'ai reçu l'esprit? Parce que j'étais responsable dans l'église. J'occupais pratiquement près de trois fonctions à l'église. Et j'étais l'un des dirigeants principaux. Et là, je viens bon matin lui dire, pasteur, est-ce que toi tu es sûr que moi j'ai reçu l'esprit? Parce que conformément à la parole de Dieu, je ne vis pas ainsi. Et également, l'église où on était, l'église ne pratique pas. Donc, je me pose des questions. Comme la Bible dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, qui est fils. Donc, moi, je me posais cette question. Et le pasteur, en tout cas, il était dans tous ses états. Après ça, il y avait un avec qui j'ai commencé à me coller un peu. Et un jour, un dimanche, il est en train de prêcher, c'est moi qui ai dirigé. Il prêche et puis dit, je te donne la moitié de l'onction qui est sur moi. Ah, j'ai tiqué. La moitié de ton onction. Pourtant, moi, je sais que l'onction dont on parle là, c'est le Saint-Esprit. Comment lui, il peut me donner la moitié du Saint-Esprit? Tu as divisé le Saint-Esprit, tu as pris une moitié et puis tu m'as donné une moitié. C'est d'après Dieu. Donc, ça fait que je me suis retiré calmement du monsieur. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore appelé. Je ne l'ai plus appelé, ça fait un an. Faut plus l'appeler, non. Non, c'est fini. Alléluia. On a déjà fini. Puis, entre Dieu, une dernière dévotion, une dernière dévotion qui va se donner. Parce que je ne voulais pas appeler. Salut.
Shalom, shalom. Shalom, le micro, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Shalom. Je vais intervenir sur le miracle à travers le nom de Dieu. En 2021, à Bonoku, tous les pasteurs de Bonoku ont reçu un soi-disant nom de Dieu. Et quand il est arrivé, en tout cas, il a fait beaucoup de spectacles. Il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des malades, des paralytiques. Il y a un soumieur qui est qu'on a apporté chez moi, de mon village. Et le monsieur a prié pour le soumieur. Et le monsieur, le petit est arrivé à dire, papa, maman, il a dit qu'il a donné une date. Et lui a parti. Jusqu'à ce que cette date arrive, le petit va parler. Il a distribué l'argent à tous les pasteurs de Bonoku. Il a envoyé beaucoup de médicaments pour soigner, pour opérer les malades. Et quand il est parti, c'est M. Mohamed Sanogo. Quand il est parti, le petit, là, sa bouche est refermée jusqu'à présent. Beaucoup de malades ont rechuté. Beaucoup, il y a eu beaucoup de morts, ceux qui ont été opérés. On dit que véritablement, le faux miracle, il y a des conséquences derrière. Alléluia. Donc, j'espère que ça va par la grâce de Dieu. J'espère que maintenant ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un même par la part des choses. Parce que le livre de Jean 8, au verset 2, dit pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 3, si donc le Fils qui est la vérité également vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, comment reconnaître une personne à reçu l'onction? Comment savoir que j'ai reçu l'onction? Comment savoir que moi, j'ai reçu l'onction? On va terminer par là. Oui, oui. Une main ici. Shalom. Pour savoir que quelqu'un a reçu l'onction, ou pour savoir que j'ai reçu l'onction, tu dois avoir le fruit de l'Esprit Saint en toi. Tu dois avoir le fruit de l'Esprit Saint en toi. Le fruit de l'Esprit Saint doit se manifester en toi. Ok, voilà. Amen. Amen. Une autre personne. Une autre personne peut intervenir. Puis la personne. Ok, on va finir. Comment reconnaître qu'une personne a reçu l'onction? Parce que l'onction égale au Saint-Esprit. Amen. On va prendre d'abord Galates 5, verset 22. Comment reconnaître que j'ai reçu l'onction? Comment reconnaître que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce par les miracles? Est-ce par les prodiges? Par la parole de connaissance que je donne, par la prophétie, par les visions, le don des visions que j'ai. Comment savoir que j'ai reçu l'onction? J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la puissance. Comment? Galates 5, verset 22. Lecture, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, verset 22. Amen. On va aller doucement. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit, j'arrête là. Mais le fruit. Or, qu'est-ce qui porte un fruit? C'est l'arbre. Donc, si un fruit, c'est qu'il y a un arbre. Alléluia. Donc, on dit le fruit de l'esprit. Donc, quel arbre alors? L'esprit. L'arbre, c'est l'esprit. L'arbre, c'est l'onction. C'est clair. Amen. L'arbre, c'est l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit. Donc, s'il y a un fruit, c'est qu'il y a un arbre qui porte le fruit. Alléluia. C'est qu'il y a un arbre qui porte le fruit. Et l'arbre, c'est l'esprit lui-même. L'arbre, c'est l'onction. Donc, comment savoir que l'arbre est en moi? Comment savoir que l'esprit est en moi? Comment savoir que j'ai l'onction?
Donc le fruit de l'esprit, ce n'est pas par les miracles qu'on reconnaît qu'une personne en onction a reçu le Saint-Esprit, c'est faux. Ce n'est pas par la manifestation. Non. Ce n'est pas par le parler en langue. Ce n'est pas par la prophétie. Ce n'est pas par la parole de connaissance. Ce n'est pas par les dons spirituels qu'on reconnaît que toi, tu as reçu l'onction. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est faux. Mais c'est par le fruit. Par le fruit. On dit le fruit de l'esprit, on dit les fruits. On dit le fruit. C'est qu'il y a un seul fruit. Et de ses fruits avec les autres. Amen. Amen. Je crie là-bas le fruit de l'esprit. Donc il y a un seul fruit de l'esprit. Et c'est dans le fruit que se trouvent tous les autres. Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Donc pour reconnaître que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction, tu dois avoir l'amour en toi. Donc si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas l'onction, tu n'as pas Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc Saint-Esprit, ce n'est pas huile, ce n'est pas bouteille. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième, la joie. La joie. Donc, pour savoir que j'ai reçu l'onction, je dois avoir la joie en moi. Si je n'ai pas la joie, je n'ai pas l'onction. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Ensuite, la paix. La paix. Si tu n'as pas la paix en toi, tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas le Saint-Esprit. La passion. Parce que Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous. Donc, nous devons être des personnes de paix. Partout où nous sommes, nous devons partager la paix, propager la paix. Mais nous ne devons pas être des personnes qui incitent la querelle. Donc la paix, si tu n'as pas la paix en toi, tu n'as pas l'onction. Amen. Amen. Ensuite, la patience. La patience. Si tu n'as pas la patience en toi, tu n'as pas l'onction. Lorsque une personne te fait une promesse, tu es attaquant, l'argent, quand tu es excité, tu es surexcité, tu n'as pas la patience. C'est que tu n'as pas l'onction, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui est patient également. Donc nous qui sommes à son image, nous devons avoir le caractère de Christ. Alléluia. Nous devons avoir la sémence de Christ. Parce qu'en tant qu'homme, pour dire que celui-ci est mon enfant, il doit avoir la sémence. Gloire à Jésus. Amen. Pour dire que celle-ci est ma fille biologique, elle doit avoir ma sémence. Si elle n'a pas ma sémence en elle, c'est que ce n'est pas mon enfant. Donc pour être aussi enfant de Dieu, tu dois avoir la sémence de Christ. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Allons-y. La bonté. La bonté. Oui. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. C'est pas ça. C'est pas le fruit de l'esprit selon Galates 5, verset 22 qu'on reconnaîtra que toi, tu as reçu l'onction. Alléluia. C'est pas par le fait de tomber, avoir des paroles de connaissance, faire des produits, des miracles, on dit toi, tu as l'onction. C'est faux. Parce qu'une chose de savoir, lorsque tu acceptes Jésus et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il vient pour activer tes dons spirituels. Donc tu commences à manifester les dons. Mais quand tu tombes dans le péché, qu'il pratique le péché, il s'en va. L'onction est partie. Mais les dons, tu peux manifester toujours les dons. Mais ça ne veut pas dire que tu as l'onction. Ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà parti. Mais comme il ne se répand pas de ses dons, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc tu vas continuer à manifester les dons. Pensant qu'il est toujours là, mais il n'est plus là. Il y a longtemps, il est parti. Alléluia. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, moi, je prie. Telle personne tombe. Il chasse les démons. Je pense qu'il est toujours l'onction en moi. C'est faux. C'est faux. Parce que je parle la langue. Je crois qu'il y a toujours le Saint-Esprit. C'est faux. Parce que j'ai des paroles de connaissance. Je pense que j'ai toujours le Saint-Esprit. C'est faux. Dès l'instant que tu pratiques le péché, tu tombes dans le péché, il se retire de toi. Mais les dons sont toujours là. Tu peux toujours manifester les dons. Mais tu n'as plus l'onction. Alléluia. Mais ce n'est pas le fruit de l'Esprit. Tu vas voir une personne qui n'a plus le Saint-Esprit va avoir ses anciennes habitudes vont revenir. Si la personne est remplie de colère, la colère va revenir. Le mensonge va revenir. La vie antérieure que cette personne pratique va revenir. C'est clair. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.
On acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va finir là parce que j'étais pris à l'improviste. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon thème, mais le Seigneur s'est manifesté puissamment. Gloire à Jésus. On va se lever, on va dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui a permis ce moment. C'est lui qui a institué ce moment. Et nous t'étais sa grâce. Ne sert pas rassembler en ce lieu. Donc tu vas lever la voix, tu vas dire merci. Merci pour cette parole qui a été annoncée. Merci de ce qu'il a en son conduit, son serviteur. Ses serviteurs. Élève la voix, Dieu le merci. Élève la voix, Dieu le merci. Dieu le merci pour ce moment que lui-même l'a institué. Dieu le merci pour ce séminaire. Car par sa grâce, les écailles commencent à tomber de nos yeux. De la même manière que Paul, sous la route de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Et les écailles sont tombées de ses yeux. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui, depuis le début de ce séminaire jusqu'à présent, le Seigneur est venu enlever les écailles de nos yeux. Parce que le livre de Romains 4, verset 6 déclare que mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors nous savons que la connaissance est énorme. La connaissance de Jésus. La connaissance est énorme. La connaissance est la parole. Dis-lui merci pour cette parole qui a été annoncée dans ce soir. Dis merci au Seigneur. Je te rends gloire, 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 Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire,
Jésus. Seigneur, je demande la présence. Seigneur, je demande la grâce. Seigneur, je demande la grâce. Seigneur, le Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ma vie, à ta tête, je t'aime.
Car j'ai perdu tout espoir. Au Seigneur Jésus, puissance dégage le feu. Alléluia. Puissance. Ton feu est mon feu. Ton feu doit percer le troisième ciel. Alléluia. 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 Puissance. 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 Puissance.
Nous sommes un.
David.